Merci beaucoup hein, pour ce témoignage, autre témoignage évidemment d'une toute autre nature, hein, mais qui est crucial, hein, puisqu'il s'agit évidemment du point de vue du médecin, du psychiatre, hein, et on a compris que réfléchir à Alzheimer, hein, c'est prendre en compte ses multiples points de vue, hein, chacun renvoie à des vécus subjectifs, à une certaine cohérence, à des exigences, à des contraintes, à des dilemmes, hein, que l'enjeu c'est justement de savoir comment faire en sorte que ces multiples points de vue puissent converger aussi souvent que possible. Et je pense que ce sera un des fils rouges de cette journée. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Magda Alvouet. Faire vivre les droits des usagers était la question qui m'a été soumise et à laquelle je voudrais répondre en m'appuyant sur un certain nombre de travaux que j'ai pu faire au sein de la Fondation Roi Baudouin, qui depuis plusieurs années travaille de façon systématique sur la problématique de la maladie Alzheimer et maladie apparentée. Alors, une des premières choses à laquelle on s'est heurté en écoutant les gens, c'était justement de comprendre l'impact de la stigmatisation de la maladie d'Alzheimer sur la qualité de vie des personnes concernées. Et quand on parle de droit, ça n'a pas beaucoup de sens d'épiloguer, je dirais, dans l'air, ou de s'appuyer sur des textes qui peuvent être très, très, très importants. Mais si on n'arrive pas à changer le regard de la société, les personnes touchées sont heurtées chaque jour par ce regard négatif et réducteur. Et c'est donc, si on veut respecter les droits des personnes, aussi des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, il faut prendre à bras le corps la problématique de la stigmatisation. Ça, c'était le point, je dirais, un des points de départ du travail de la Fondation Roi Baudouin. Cette stigmatisation ne tombe pas du ciel, c'est une chose, un élément qui vient des fondements même de notre culture, à savoir la séparation qui a été faite depuis des millénaires, on peut dire, entre le corps et l'esprit. Et en donnant, je dirais, un poids beaucoup plus important à l'esprit, et ensuite on projette sur les malades Alzheimer, la disparition de l'esprit qui impliquerait aussi leur perte d'humanité. C'est ce qui se passe en réalité. Donc, cette séparation, cette vision sur la séparation entre le corps et l'esprit est fortement présente dans notre culture occidentale. Et on a vu dans des études internationales que des cultures différentes des nôtres ont beaucoup moins de mal à se situer par rapport aux malades atteints par la maladie d'Alzheimer que notre culture occidentale. Elle est donc très exigeante par rapport au fonctionnement parfait de l'esprit et donc l'opposé. Donc cette maladie se trouve à l'opposé de l'idéal de l'homme rapide, efficace, performant, etc., etc. Il s'agit là, bien entendu, d'une construction sociale. Une image est une construction sociale qui se forge au cours des temps, qui permet aussi aux individus de se situer dans un ordre social, présente un code dans lequel on peut s'exprimer, participer à la vie sociale, mais détermine, et c'est là où le bât blesse, détermine dans une très large mesure l'attitude des gens par rapport à une situation donnée. Et c'est cette attitude dominante qu'il faut essayer de faire changer si on veut arrêter cette stigmatisation. Pardon. Donc, ici, on voit quelques images qui ont été produites par un institut de recherche qui a travaillé avec la Fondation justement sur quelles sont ces images dominantes qui sont dans les têtes des gens. Donc, quand on fait cette séparation entre
le corps et l'esprit. Donc, on en arrive à voir les gens qui n'ont plus le même type de fonctionnement de la mémoire comme des coquilles vides, des formes sans contenu, etc., etc. Donc, c'est complètement à côté de la plaque. Autre image dominante, l'envahisseur. Ensuite, la foi dans la science. Et là, comme je suis en France, là, je vais quand même dire quelque chose, parce que c'est une foi très forte, ici. Donc, c'est un thème culturel. Donc, dans les connaissances scientifiques et médicales, on estime qu'on ne cesse de progresser, et heureusement, on a fait des progrès énormes. Pas question de le nier. Mais ensuite, il en découle très facilement une définition du problème qui va dans le sens de dire que les malades Alzheimer souffrent d'une dégénérescence irréversible du cerveau, ce qui n'est pas incorrect. Ensuite, on réduit la cause du problème à, bon, d'une part, on a déjà découvert un certain nombre d'éléments, donc aussi un certain nombre de médicaments qui peuvent intervenir jusqu'à un certain niveau, mais là, hein, on n'est pas encore trop avancé. Mais la grande conséquence est que les malades disparaissent derrière le diagnostic, qu'ils deviennent des cas et des patients. Ils sont réduits à des patients, et uniquement à des patients. Ensuite, la perspective d'action devient surtout développement et découverte de médicaments plus performants pour qu'ils puissent arrêter complètement l'évolution de la maladie. La peur de la mort est une autre image très très forte. Et j'en passe. Mais arrêtons-nous quand même quelques instants sur les conséquences de cette image sur l'exercice des droits. Les personnes consciente. Et ça, c'est une enquête qu'on a faite dans plusieurs maisons de repos et de soins. Les personnes touchées sont très, très conscientes de la stigmatisation de leur maladie. On a eu des témoignages vraiment poignants et des gens qui vous disent clairement, nous devons vraiment nous battre pour que les autres continuent à nous voir comme des gens à part entière. Nous sommes des personnes humaines et nous voulons être vus de cette façon-là. Donc ça, c'est un cri qui vient fortement des personnes touchées. Ça influence, bien entendu, la communication du diagnostic. On a tellement peur de l'effet de la communication de ce diagnostic qu'on hésite à le dire. On a fait une enquête en Belgique qui montre que 3 médecins sur 10 ne le communiquent pas, alors qu'ils sont bien au courant de ce qui se passe. Une étude de l'INPES, c'est un institut national de France, a montré, c'est une étude réalisée en 2009, qui montre clairement que c'est la troisième maladie la plus redoutée. Et ça provoque, dans beaucoup de cas, un isolement social. Alors, l'isolement social, ça peut sonner comme quelque chose d'anodin, mais il n'y a rien de plus efficace pour vous enlever vos droits que l'isolement. Parce que, de fait, vous perdez le droit à la parole. Vous perdez le droit à l'interaction. Alors, y a-t-il quelque chose de plus important pour un être humain que de pouvoir être en contact avec les autres? On est des êtres sociaux par excellence. Alors, être coupé des autres, c'est terrible. Et c'est ça qu'on crée. C'est ce type de situation qu'on crée jour après jour. Heureusement qu'il y a des gens qui se battent. Donc, ces préjugés empêchent une prise en charge adéquate. Et en plus, et c'est quelque chose qui m'a frappé beaucoup, en le découvrant par ce travail au sein de la Fondation, c'est de voir que cette étiquette réduit réellement les capacités des personnes concernées prématurément. Et ça, c'est scandaleux.
Donc les capacités en place sont réduites grâce à notre regard réducteur. Et donc il y a des études au Canada, aux Pays-Bas, etc., qui montrent que dans la mesure où les gens sont respectés en tant que personnes humaines ou pas, ou vus plutôt comme des patients à traiter de façon parfois très paternaliste, bien intentionnée mais très paternaliste, que ça enlève les capacités. Et donc là, parler des droits sans se rendre compte qu'en figeant une image négative sur les personnes concernées, sape, je dirais, d'une façon très, très directe, les droits des personnes. On a vu aussi, dans un certain nombre de maisons de repos et de soins, que les personnes touchées par la maladie avaient beaucoup moins d'influence que les autres qui étaient accueillis dans le même établissement, parce que on estime, puisqu'ils ne réagissent pas vite et pas directement, parfois, etc., etc., on ne tient pas compte de leur vision des choses, de leurs souhaits. Et une fois qu'une personne sent, jour après jour, qu'elle n'a pas beaucoup d'influence, qu'elle est fondamentalement ignorée, ça l'installe dans une attitude de passivité. Et donc, en général, on peut en conclure que ça provoque chez des personnes non encore diagnostiquées, mais qui ont une certaine appréhension par rapport à la possibilité d'avoir cette maladie, qu'ils se mettent très, très tardivement en marche pour faire poser le diagnostic. Et donc, de là, la nécessité primordiale de faire évoluer cette image. Mais, c'est facile à dire, il faut surtout savoir comment s'y prendre et comment on peut influencer ce regard existant et qui est profondément ancré. Et dans ce contexte-là, nous avons confié un travail de recherche à l'Université de Louvain, où on a travaillé sur quelles sont les images réelles au niveau de la population et quel type de contre-images pourrait être accrocheur. Alors, les résultats étaient parfois déconcertants. Enfin, on a trouvé toutes les images dominantes, négatives, ça sortait très, très facilement. Donc, on avait tout de suite la confirmation des images négatives et dominantes. D'autre part, pour les contre-images, il y avait parfois des surprises. Et l'image qui a pris, la contre-image, si vous voulez, qui a pris le mieux, c'était l'image qu'on a qualifiée de « carpe diem ». Jouissez de ce que vous aimez et profitez de toutes les belles choses dont vous pouvez encore profiter. Donc, cueillez le jour, carpe diem. Et j'ai retrouvé quand même aussi dans votre témoignage un élément par rapport à cela. Je vais vous montrer une seule image. J'ai encore 5 minutes, d'accord. Non. Ici, vous voyez une image qu'on a présentée donc, à un public de 1000 personnes. Donc, ça a été vraiment un échantillon assez large où on voyait, d'une part, l'image unité corps-esprit contre la séparation du corps et de l'esprit. Louis, il perd peu à peu la mémoire et ses souvenirs, mais il continue de tricher au whist. Donc, c'était ça l'image dont on espérait obtenir, je dirais, une réponse favorable de la part de la population. Et puis, la peur de la mort. Il est enterré par sa famille et ses amis
Et pourtant, il est toujours vivant. Alors là, on avait espéré que cette image avec le sous-titre humoristique aurait paru accrocheur, crédible, etc. Ce n'était pas le cas. On n'a pas voulu retenir ce message-là. Et donc, une des conclusions, là, ça va beaucoup trop loin, mais donc une des conclusions est que parfois, il faut faire la part des choses et utiliser quand même une image qui va un peu à l'encontre de ce qu'on croit devoir pouvoir installer comme appréciation et comme nouvelle vue. Mais si l'autre image n'est pas crédible, ça ne sert à rien d'essayer de la promouvoir, ça va tomber à côté. Donc là, il faut apprendre à trouver les images qui peuvent influencer et changer, mais sans tomber dans l'erreur de vouloir promouvoir quelque chose pour laquelle on n'a pas de base psychologique au niveau du grand public. Alors, pour terminer, il y a trois démarches concrètes réalisées en ce moment en Belgique. Créer un autre climat de société par rapport à la maladie d'Alzheimer et maladie apparente. La première, c'est les communes Alzheimer admis. Ça veut dire des communes qui s'engagent à créer des conditions qui permettent l'insertion beaucoup plus facile et beaucoup plus positive de la part de ce groupe plus vulnérable. Ce qu'on voit en général dans ces communes-là, c'est qu'on travaille, on fait un travail sur l'image, la stigmatisation, mais surtout la sensibilisation de la population s'ancre sur, s'appuie sur des démarches concrètes qui facilitent la vie. Par exemple, dans la ville de Bruges, on a créé un mouvement parmi les gens qui tiennent des magasins, des shopkeepers, je ne sais pas comment on dit en français, donc des commerçants, pour que ils fassent attention à ce groupe de leurs clients, qu'ils essayent de leur donner suffisamment de temps. Là, c'est l'élément de temps qui intervient pour exprimer calmement ce dont ils ont besoin, etc. Donc, il y a le groupe des commerçants qui se met en marche, les associations socioculturelles qui sont mobilisées, les écoles, etc., la police, pour retrouver très rapidement des personnes qui se perdent. Et dans la mesure où il y a un filet qui marche, ça donne confiance et à la famille et aux personnes concernées. Si je me perds et je m'adresse à quelqu'un, à un policier, etc., il va m'aider. Ils ont un système mis en place pour que ça fonctionne bien. Donc, toute une série de mesures concrètes qui permettent justement que ces personnes gardent leur place dans la société. Et ça, pour nous, c'était fondamental. Vous voulez réagir ? Je veux juste réagir. Quand vous dites qu'on a donné la possibilité aux gens, à la limite, de pouvoir, en fin de compte, sortir seuls. Et moi, je pense que la seule réaction qu'on va avoir si on n'en parle, c'est de nous dire on va vous mettre un bracelet et comme ça, vous pourrez sortir. Pourquoi ? Parce que pour moi, personnellement, je pense que souvent, on cherche les enjeux commerciaux. Ça va peut-être permettre d'utiliser quelque chose qu'on va fabriquer et qu'on va vendre. Par contre, mettre dans la tête des gens de dire « agissez différemment », je pense que ça sera beaucoup plus dur. Ça me fait cette déduction-là, parce que je m'en suis aperçue souvent. Mm-hmm. Merci. C'est une remarque tout à fait valable. Mais donc la démarche ici, sur le plan concret, il ne s'agit pas de bracelet, voilà. Il s'agit justement de l'opposé. Ensuite, j'abandonne
les communes Alzheimer admis pour passer à un autre domaine, c'est les praticiens du droit. Et donc, on a eu un très, très bel exemple par rapport à l'attitude de ce notaire. La Fondation a investi dans un travail de dialogue entre médecins, médecins spécialistes d'une part, parce que c'est eux qui, parfois, délivrent des certificats médicaux, parfois circonstanciés, parfois non circonstanciés du tout, et avec la conséquence que si c'est un certificat non circonstancié, qu'on prend des mesures qui vont beaucoup trop loin dans le sens de la restriction, de la contrainte, alors qu'il faut laisser un maximum d'autonomie. C'est ça l'enjeu. Et par rapport aux praticiens du droit, nous avons donc une brochure vraiment intéressante pour que les juges de paix, les notaires, les avocats, etc., etc., tiennent compte d'un certain nombre de conseils très pratiques qui peuvent aider les praticiens du droit à développer une pratique qui soit réellement respectueuse des droits des gens, hein, parce qu'ils sont là pour le faire. Je vais m'arrêter là parce que sinon je dépasse et je continue. Merci.